pas changer. Aya va pas changer. On va tout faire. Aya ne va pas changer. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Si je vois les partages, le général va prendre le soin de parler. Mettez les cœurs, partagez. Aya ne va pas changer. Aya ne va pas changer. C'est même ridicule pour moi de venir m'asseoir de parler de cette affaire. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je sais que beaucoup l'ont vu. Ils ont mis Aya Robert, populaire en ce moment-là. Ils ont mis Aya Robert, populaire en ce moment. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Aya Robert ne va pas changer. On va tout faire. Aya va rester toujours Aya. C'est-à-dire, Robert est bon, mais c'est le côté Aya qui gâte tout. Concert de comment il s'appelle là. Voilà, voilà. Jusqu'à ça fait direct. Jusqu'à ça fait direct. Aya Robert est allé faire par là. Aya Robert encore est allé faire par là. Voilà. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voilà, Aya encore. Jusqu'on crie, il n'y a pas là, bon, il n'y a pas là. C'est-à-dire tellement que c'est sombre, on ne voit même pas le visage. Mais la seule voix qu'on entend, c'est la voix de Aya Robert. Écoutez bien, c'est la voix de Aya. Je connais ma Aya. Jusqu'en cri, il n'y a pas là pour, il y a Aya Robert. Bon, tout à l'heure, encore nous sommes assis par terre. Et on voit des snaps. Parce que nous, on n'est pas sur Snap. Voilà. C'est les enfants qui sont sur Snap. Il y a une femme qui va s'asseoir chez Aya Robert. Elle dit, Aya doit descendre. Elle dit, Aya Robert doit descendre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est-à-dire, la vidéo s'est faite dans le nom, on ne voit rien. Mais on entend la voix d'Aya Robert. Au concert de, comment elle s'appelle, José. José est venu faire concert à Paris. On m'a dit, Marcos, au général, tu es le père. Il y a ta fille José qui a concert à Paris, il faut aller. Je leur ai répondu. Affaire où il y a concert, où tous les négrillons, les négros, les noirs vont se rassembler là. Makoso, je ne vais pas là-bas. C'est à cause de ça, là, j'ai dit, je ne vais pas là-bas. Parce qu'il y a toujours pas flotteur. Il y a toujours un esprit méchant. Il y a toujours un enfant maudit qui va te regarder dans le but d'avoir buzz qui va venir te provoquer. Et c'est de provocation en provocation là, que quelqu'un va avoir non. Partagez-moi Aya Robert, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. Partagez la vidéo, je ne vois pas Aya Robert. Il faut que Aya Robert, quelqu'un la délivre. C'est pas les mecs sur Louma qui a venu s'asseoir, venir à 3h du matin faire direct, fatigué ici. La seule blogueuse qui s'assoit, elle, c'est à 2h du matin qu'elle est inspirée. Adama. On peut sortir de son corps comme ça. La seule blogueuse, elle, c'est à 2h du matin, là où tout le monde dort. Aya Robert fait direct pour appeler tous les esprits sur la terre à son direct. Là où les gens sont en train de faire ma pleure, les gens sont en train de dormir, les gens sont en train de faire sorcellerie, c'est là Aya Robert vient s'asseoir. Elle dit qu'elle est la terre à parler aux gens. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Partagez-moi la vidéo, je veux voir, je veux voir. Quand le général est en direct, mon gang, c'est vous qui devez partager le direct. Tous mes commandants, c'est vous qui devez mettre les cœurs, partager le direct. Celui qui met mauvais commentaire, vous l'agressez. Celui qui met mauvais commentaire, vous l'agressez. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Ici, on n'est pas là pour jouer. C'est le père de la maman qui parle. Il faut que quelqu'un parle à Aya Robert. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il y a cassé le papou. Donc, tu vas sur Internet. Attends, où c'est même? Laissez-moi voir. Où est la chauve? Où est la vidéo là? Ça, c'est tout à l'heure. Je cherche la vidéo là. Tout à l'heure. La fille est arrivée devant la porte d'Aya, sous son immeuble. Elle dit, Aya doit descendre. Jusqu'à il n'y a eu personne. J'ai vu la femme barbue faire direct. Oh, Aya a peur. Aya a peur. Aya est dans sa maison. Elle a peur de descendre. Toutes les lesbiennes ont fait direct. Toutes les sorcières de la toile. Toutes les personnes les plus maudites de la terre. Ils ont fait direct aujourd'hui. Pour dire, Aya doit descendre. Et Aya est descendue. Non, je cherche la vidéo. Je cherche la vidéo, là. Où est la vidéo? Qui va m'amener la vidéo là rapidement? Inbox. Je cherche cette vidéo là. Où est la vidéo? Regardez, regardez aujourd'hui, allez ici. Même les gens, voilà.
Regardez sur la toile. Regardez là. Tout ça, c'est Aya Robert. Voilà ma Aya Payer. Tout ça, c'est Aya Robert. Aya Robert en train de fatiguer tout le monde. Tout ça, là, c'est Aya Robert. Vous allez regarder tous les directs d'aujourd'hui, là. Si tu viens ici, tu mets direct. Tu vas voir que tous les directs. Voilà, Makosso est en direct. Continuons. Voilà. Même l'unique est en direct. Continuons. Voilà. Danseur de José. Voilà. Même Lova Lova, la femme la plus belle des réseaux sociaux, est en direct. Voilà, direct. Tout ça, ce sont les directs. Voilà. Femme Babu a fait direct sur Aya. Tout le monde est en train de faire direct sur Aya. Tout le monde est en train de faire direct sur Aya. On ne va pas dormir ce soir-là. Voilà. Toutes les lesbiennes les plus maudites de la tombe fait direct. Femme, tu ne sais pas si c'est lesbienne ou tu ne sais pas si c'est pédéo, tu ne sais pas si c'est quoi ou toutes ces personnes ont fait direct au Dieu. Tout ça, c'est Aya. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, je veux parler. Partagez-moi la vidéo, là, j'ai envie de parler un peu. Ah, Aya. Non, je ne vois pas les partages, je ne parle pas. Les femmes Babu ont fait direct. Les tout profanes ont fait direct. À cause de Aya. Aya, 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 Aya. Toi-même, ton nom n'est pas joli. Non, tu ressembles à fétiche. Aya. Côté Robert, là, c'est bon. Mais c'est le côté Aya. L'esprit du village est dans cette fille-là. L'esprit du village est dans le corps de cette femme-là. Je sais pas ce qu'on veut faire pour Aya. C'est-à-dire, point oui ou point non. Elle n'est pas d'enlever ses chaussures. Coup de pied, coup de poing. Non, moi je suis déçu. Non, je suis déçu. Non, ça, je suis déçu. Et je l'appelle, ne te coche pas. Aya, ton maudia, chaque 5h du matin quand tu te réveilles, à 2h du matin quand tu mets ton direct, ton maudia, à 5h quand tu te lèves pour mettre ton direct, ton maudia. On ne peut pas avoir un comportement comme ça. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages, je ne parle pas. Aya ne va pas changer. Le nom agit. Il y a un nom, Aya. Les noms t'as dit Akissi. Les noms t'as dit Afoué. C'est des noms qu'on ne donne plus. Parce que les noms agissent. Non, Aya, je suis déçu. C'est quoi ça encore? Voilà, venez ici. Regardez. Regardez. Hein. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Retournons. Regardez. Hein. Regardez cette fille-là. Cette fille qu'on voyait là. Voilà, elle est allée devant l'immeuble de Aya. On va retourner la caméra, vous allez voir. Regardez ici. Elle est allée devant l'immeuble de Aya. Elle dit, Aya doit descendre, elles vont se battre. Là, voici, elle est dans la voiture. Voilà. Aya est allée se battre. Hein. Voilà. La fille est allée dans son immeuble, elle est dans la voiture. Aya est sortie, Aya dit, il faut descendre. Voilà, Aya a dit, descends si tu es femme. Aya, c'est pour vous laisser. Aya. C'est Aya, hein. Est-ce qu'on voyait bien même? On ne voit même pas même. On ne voit pas le Niaga. C'est ça, il doit avoir ma régie. Hein. C'est Aya. Hein. Regardez, tout ça, c'est Aya. Attends, retournez ici. Tout ça, là, c'est Aya. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus. Mais on attend seulement Aya l'Est. Là, c'est la fille. Donc, voici une fille. Voici une fille qui ne ressemble à rien. Qui n'est rien. Qui n'a rien. Elle, le seul travail, on dit, José a conseillé les danseuses. Non, Aya, je suis déçu. Je suis déçu. Partagez la vidéo, je suis déçu. Je veux au moins 1000 personnes partager dans 10 groupes. Ah! Non, je dois délivrer Aya. Le nom de Aya, c'est ce qui me fatigue la fille. Les esprits de Maroc sont encore finis sur Aya. Je vous explique le problème. Quelqu'un me dit, mon général parle, je parle. Aya est une blogueuse. Voilà. Aujourd'hui, tu veux pas. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Mais quand on parle aujourd'hui du top 10, des 10 blogueurs les plus connus en Côte d'Ivoire, on peut dire même Aya fait partie du top 5. Tu ne peux pas parler aujourd'hui de Facebook. Tu ne peux pas parler aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas aujourd'hui Aya Robert sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Aya Robert. Depuis la fin de Fabi, Aya a reçu ce qu'on appelle une notoriété. Tout le monde parle d'Aya. Tout le monde connaît Aya. Mais Aya ne va pas changer. La petite fille là, c'est une petite fille qui est bête. Il faut qu'elle lui dise ça. Et puis ton maudit, ta gueule là, appelez Aya pour dire que le général est en direct. Son maudit, mets ton corps dessus. Aya ne va pas changer.
changer. Aya ne va pas changer. Je vais vous dire pourquoi Aya ne va pas changer. Aya ne va pas changer. D'abord, un, elle est musclée. Deux, elle est bien de taille. Femme comme Aya. Quand tu regardes là, mon frère, moi, j'ai rencontré, j'ai vu Aya en face à face. J'ai attrapé main de Aya. J'ai mis ma main autour des reins de Aya. Femme comme Aya, si tu as marié ça, même pour frapper, tu auras problème. C'est-à-dire que tu es garçon. Elle a beauté, petit photographe qui se joue les blogueurs un peu fou là. Façon qu'elle est tombée sur lui, déchirée son habit. Petit homme est venu s'asseoir qu'elle lui-même traîne. Femme comme Aya, la même garçon, tu dis tu es garçon. Tu es homme, tu connais, je lui donne un coup de poing. Frapper femme comme Aya, là, tu auras problème. Tu as lutté, elle. Tu peux la frapper, mais champion, tu as livré le match. Tu as ici, tu n'es pas les esprits des vrais nagas. Tu es marié de Aya, va te botter pour mettre du champion. Parce qu'elle a la taille, elle a la forme, et puis tu sens qu'elle a le naga en elle. Quelle preuve ça? Tu sens quelle femme là? C'est une femme depuis qu'elle est petite. Quand on dit palabre de quartier, c'est Aya. Quand on dit y a naga dans le quartier, c'est Aya. Depuis qu'elle est petite, Aya fait palabre jusqu'à elle est devenue blogueuse. Mais je dis, Aya ne va pas changer. Aya ne va pas changer. Voici une petite fille. Tu quittes au concert. On dit, on t'a frappé. Toi, tu dis, j'ai frappé. Tu as frappé quelqu'un, tu danses devant la porte de quelqu'un. Faut descendre. Faut descendre. Maintenant, la fille descend, toi, tu ne sors pas de la voiture. Va te battre, Aya. C'est-à-dire, quand tu regardes Aya, tu ne sais pas si Dieu qui veut la créer garçon, et puis elle est devenue femme. C'est-à-dire, Dieu voulait créer Aya garçon. Et puis, quand il est en train de fabriquer, et puis Satan passait, quelqu'un a dit, hey, Satan. Et puis, il a oublié, il a mis sexe en même temps des femmes. Et puis, bim, Aya est sorti. Lolo est là, Petou est là. Mais la femme et le femme, c'est garçon. Tu allais chercher, t'as dit, t'as regardé zier des gens sur Snap, zier de Facebook. Tu dis, t'as tant défié Aya sur son terrain. Parce qu'elle s'est dit, Aya n'a pas papier. Donc Aya ne peut pas descendre. Si elle descend, que la police arrive, on met ta main sur Aya, on va partir Aya. Donc elle s'en cherchait, non, pour prouver au monde entier qu'Aya a eu peur. Elle n'est pas venue. Oh, elle oublie que les noms agissent. Quand tu entends Aya là, c'est nom de fétiche. Les esprits de Aya ont pris Aya, Aya est descendu. La fille ne veut pas sortir de la voiture, c'est Aya maintenant qui est en train de la tirer. Mes amis, si ça m'attire de palabre, il n'y a pas une blogueuse qui est sur les réseaux sociaux qui peut frapper Aya. Il n'y en a pas. Elle va les botter une à une. Voilà. Il a dit, elle va les frapper une à une. Parce que force physique, là, quand tu regardes Aya Obet, tu sais qu'elle a ça. Et toi, tu la regardes, tu sais que si c'est force là, Golère a ça. Elle va les. Il a dit, même. T'es coupé tête pour dire que je te connais. Elle a voulu tenter. Aya, quand elle a dit faut sortir là, elle est cachée dans la tire là. Il ne sort pas. Elle connaît. Zia connaît bagaille qui est lourd. Il y a une femme qui t'a dit tu peux faire palabre. Mais femme comme Aya là, elle ne fait pas palabre. Elle est attrapée, elle te casse en deux. Mais Aya, vous parlez de Aya, la petite fille là, elle est bête. Hein? Voilà. Aujourd'hui là, celle que Aya appelle coupé tête pour jeter. Celle qui appelle Aya Robert, Tilapia. Si aujourd'hui elle a visibilité, là, c'est Aya qui lui a donné visibilité. Sinon, c'est son où, son quoi, son comment que l'homme peut aller regarder ça. Il y a des gens qui sont chez Facebook parce qu'ils racontent des bêtises. Et comme les humains, les Africains aiment les bêtises, ils vont écouter les bêtises. On a fait une conférence de Manuel Keita. Ils disent qu'ils sont influenceurs. Ils sont connus. Fallait déplacer au moins 500 personnes. Ils n'ont pas été capables. Malgré toutes les vidéos, c'est poteau à poteau. Un homme les a donné tickets gratuits pour aux conférences de ELSTAR. Donc, c'est des personnes qui ne représentent rien, qui ne sont rien et qui ne seront rien. Vaut mieux avoir tes 500 personnes qui te suivent. Mais quand tu dis paye, eux tout sortent. C'est sans dire que tu es un influenceur, tu es un dangereux. Ces personnes n'étaient pas connues, on ne les connaissait pas. Allez faire parler avec ces personnes, gifler ces personnes, arracher perruque, allez les a donné nom. Parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens qui te détestent. Ils attendent que tu en confies à quelqu'un. Eux tous vont chez la personne pour lui donner, pour les lancer. Wow, c'est toi qu'on aime. C'est toi qu'on aime. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment la personne. Ils le font pour te faire mal. Ils le font pour te briser. Ils le font pour te taper. Ils le font pour te taper en vivant pour t'humilier. Et tu tombes toujours dans les mêmes bêtises. Voici une fille qui n'a personne. Personne ne la connaît. On dit elle est danseuse 2. Personne ne la connaît. Tu vas lui donner un visage. Tu vas lui donner un nom.
Tu vas lui donner l'opportunité de créer maintenant Facebook. Qui a donné le nom à comment on appelle ça? À Sylvia. C'est Emmanuel Keïta. Sylvia avait Facebook? Non. On dit Sylvia lance direct, elle fait 3000 personnes. 4000 personnes. Rien que pour se moquer, rien que pour insulter. Sylvia est devenue aujourd'hui blogueuse. À cause de qui? Emmanuel Keïta. Mesdames, Aya Robert en train de créer encore une nouvelle blogueuse. Voici une fille qui est inconnue. Qui demain m'a dit je vais répondre à Aya. Elle va créer sa page Facebook. L'ancien direct, 5000 personnes vont aller la suivre. Demain, quand il y a une actualité, elle commence à parler. Demain, elle va avoir des abonnés. Elle va dire Aya, je suis comme toi. C'est toujours Aya qui est en train de rendre les gens stars. C'est toujours Aya qui est en train de rendre les gens stars. Dans le fait des palabres. Dans le fait des. Non, c'est toujours Aya. Aya n'a pas changé. Aya est devenue faiseuse de stars. Toi-même, tu crées tes propres monstres. Toi-même, tu crées tes propres adversaires. Demain, ils font alliance, ils sont comme toi. Apparemment, c'est Aya. Apparemment, là, c'est Aya. Babla, Baba, gros babu, là, c'est Aya. Aya a été en clash avec toutes ces personnes et leur a donné une visibilité. Aya, dis-moi, qui es-tu? Faut nous expliquer à la fin. Parce qu'aujourd'hui, sur la toile, on recherche des personnes qui sont capables de venir enseigner comment réussir, comment entreprendre, comment réaliser des choses, comment régler ces problèmes. Mais Aya, tu nous amènes toujours des personnes qui sortent de palabres et qui deviennent des stars demain. Tu nous as donné femme babu. Tu nous as donné femme qui pète en direct, femme qui se mouche en direct. Tu nous as donné femme, on ne sait pas si elle est lesbienne, on ne sait pas si elle est djandjou, elle fait travail de bas de fer. Toi, tu es venu, c'est toi, Aya, tu nous donnes toujours ce genre de personnes-là. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dès qu'il y a publicité, pas d'Aya. Yaka, demande à Aya de m'expliquer, parce que je ne comprends plus. Tu vas toujours donner des noms, tu vas toujours des rendre star, tu vas toujours donner de la visibilité à des inconnus. Parce qu'on te fait jusqu'à ce que la fille vienne devant toi, elle fait snap, descend. Donc si tu regardes yeux des gens, si je descends pas, elle va dire que j'ai eu peur. Donc je vais descendre. La grandeur d'une femme, c'est lorsqu'on la provoque. Et puis elle dit, je ne suis plus à ce niveau-là. Parce que tu es devenu ce qu'on appelle une personnalité publique. Tu es devenu ce qu'on appelle l'idole de certaines personnes, ce sont tes abonnés. Tu es devenu ce qu'on appelle une icône. Tu comprends? Donc, il y a le comportement des racailles. Il y a le comportement de la racaillerie. Tu n'es plus parmi les racailles. Tu es désormais parmi les stars. Lorsqu'un artiste arrive, Aya, on te fait monter et puis on chante ton nom. On chante ton nom. On te met en haut. Mais toi, tu sors. On te provoque. Tu dis non, en haut on m'a mis là, ça ne me plaît pas. Et elle descend en bas pour venir faire palabre. Et puis elle a fait palabre avec qui? Mais quand deux personnes sont palabres, on dit elle a fait palabre avec qui? C'est le qui là maintenant veut écouter sa version. Et on voulait écouter la version de qui? La personne devient ça. La personne passe sur les chaînes de télé pour qu'on écoute la version. Et quand on dit qui a révélé cette personne? C'est Aya Aubert. Aya. Parce que les gens ont compris ce qu'on appelle ta faiblesse. On sait que Aya là, elle donne non. Donc il faut la provoquer, elle va réagir. La preuve, un photographe le plus maudit de la toile, un enfant même tu regardes, sans que ses parents même qu'ils l'ont mis au monde, il regrette même de l'avoir mis au monde. Un enfant qui ne sait même pas ce qu'il est venu chercher en Europe. L'enfant prend une caméra, il vient, et puis toi, il vient avant encore. Non, juste ce qu'on dit dans la vidéo, c'est ton jeu de devenir star, c'est ton opportunité. Tu vas avoir un nom, c'est ton opportunité, ton nom va sortir. Et puis là, oui, laisse, je suis calme, ouais, laisse. C'est-à-dire, on voit même qu'ils t'ont vu comme opportunité de devenir star. Ils t'ont regardé comme étant une cliente. C'est-à-dire une porte par laquelle on passe pour devenir star. C'est comme Camille Marcosso, tout le monde me clash. Tout le monde m'insulte. Parce qu'ils savent que le jour où je m'assois, que je réponds à un, lui devient star. C'est ça qui est la vraie vérité. Le jour où Marcosso s'assoit pour répondre à un, lui là, il devient star. C'est pas à tout on répond. C'est comme si Marcosso, quelqu'un vient en bas de mon immeuble. Il dit, je suis chez Marcosso, Marcosso descend. Et puis moi, je prends ma batte de baseball et puis je descends. J'ai quoi à prouver à qui? J'ai des comptes à rendre à qui? J'ai le nom que je cherche par rapport à quoi? Ok, c'est les animaux qui se battent. Et toi, tu descends pour aller faire quoi? Palabre. Palabre. Ma chérie, tu n'es plus la petite fille de 12 ans. Hein? Ou elle est dans le quartier, on fait miss et puis ça n'a pas marché, on a dû sauter en bois, on s'en va passer, fini ce temps-là. Ma chérie, tu es en Europe. Les jeunes sont en train de te piéger. Te piéger inutilement. Et tu réponds facilement à ça.
que tu assis chez toi, pendant que la racaille est en train de faire ses bêtises, toi tu assises tranquillement avec ta bouteille de champagne et tu sirotes ta bouteille de champagne. Tranquillement. Et tu montes sur les gens, oh la racaille s'il vous plaît, rentrez. Elle insulte depuis toi, ça te fait rire. C'est l'homme du Tchengjam. Il y a un petit maudit qui est en Belgique là. Un petit mendiant qui me demande de temps en temps de l'argent. Parce qu'il veut visibilité deux jours. On insulte Marco Soya. C'est pas tout, on répond. Tu as donné nom à couper tête pour jeter hors du là. Tu assises, tu reviens. Tu veux encore donner nom à qui encore? Pardon? Un moment donné, il faut avoir pitié de nous. Un moment donné, il faut avoir pitié de nous. Un moment donné, il faut avoir pitié de nous. À qui tu veux donner nom encore? À une danseuse. T'as vu quelqu'un a quitté l'Afrique, venir en Europe pour dire non, il a fait danse. Mais attendez, soyons sérieux. Aïe, soyons sérieux à un moment donné. Tu as donné nom à des personnes ici. On est fatigué quand tu donnes nom aux gens. Tu rends des gens blogueurs. Des gens qui ne sont pas blogueurs. Des gens qui sont dans des vidéos. Tous les enfants pleurent à côté. Tu veux quoi? Viens, tiens, viens, attends, poum. T'attends, poum. Tu as donné nom à ça. Au début, tu n'es même plus obligé de prononcer un nom. Tu es obligé de trouver des noms. À Pama, couper tête pour jeter. Tant tellement que tu as pu dire un nom. Pour le... Mais ils ont déjà un nom. Ils ont déjà un nom. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs, on cite le nom. À cause de quoi? À cause de Aya. C'est Aya qui a fait créer ces monstres-là. Tous les démons qui sont sur les réseaux sociaux-là, c'est Aya Robert qui les a donné nom. C'est Aya Robert qui les a tous fabriqués. C'est Aya Robert. Aya n'aime pas les défis. T'as dit, dès que quelqu'un lance des défis, là, donc, boum, tu as des comptes à rendre à qui? Tu veux prouver quoi à qui? Vous-même, vous me dites, général, faut plus répondre aux gens qui n'ont rien, aux gens qui ne sont rien. Mais conseil que vous me donnez là, vous me mettez en pratique aussi. C'est facile de donner conseil au général. Vous-même aussi mettez ça en pratique aussi. Tu allais répondre à qui? Des filles inconnues. Ils les ont moukou dans Paris là. Il y a des moukou jusqu'à ils n'ont même plus goût. Les empreintes qui sont sur les clitoris sont passées. Les crampons qui sont dans le pétrole, il n'y a plus de crampons. Ces femmes comme ça, toi tu as une star. Et puis demain on met maquillage. Venir. C'est moi. Oui, c'est moi. Aya. Aya m'a agressé. Aïe, ta mère con. Aïe, chienne là. Si tu dis que tu es femme, on est qu'à se donner rendez-vous demain à haute. J'ai lancé des défis. Est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a pas répondu. C'est une peureuse. Et comme sur les réseaux sociaux, tous les enfants bâtards, tous les enfants maudits, les pauvres, les analphabètes sont là. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont écrit. Hé, ma chérie, en tout cas, moi, elle commence à t'aimer, hein. En tout cas, moi, elle commence à t'aimer. Hein. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Elle danse un peu. Vous m'en dites, si danser, non. Il y a vous montrer comment elle sait danser. Aïe, tu peux faire ça. Et puis, elle tourne serrée. Elle tourne serrée. Elle tourne serrée. Dans ça, là. Un gars va regarder. Elle dit, hé, ma petite, tu as un joli cul. Hein. Ah, hé, donc, je te plais pas. Ah, tu me plais. Il n'y a pas de problème. C'est combien? C'est 150 euros l'heure. 200 euros quand je me déplace. Aïe, Robert. Aïe, Robert. Tu es en train de légaliser la prostitution de certaines filles. Aïe Robert, tu es en train de légaliser le pafotage. Aïe Robert, tu es en train de donner nom à des personnes qui n'ont pas nom. À un moment donné, il faut te faire prendre conscience. Ton mot dit à chaque 5 heures du matin. Quelqu'un n'a qu'à lui dire ça. Petit dit, tes femmes vont m'appeler. C'est même quand tu as sorti de ma bouche. Ne comprends pas, Aïe. Tu ne comprends pas la fille. Non. Petit métier que vous avez trouvé là. Toi, tu vas mettre encore des gens dedans. Demain, tu as lancé direct. Tu as 3000 personnes pour l'été. Un autre direct, ils ont 4000 personnes. C'est moi la nouvelle star. C'est moi la danse. C'est moi le contrôle Facebook maintenant. Mais qui a donné nom à ces personnes-là? C'est Aya Robert. C'est Aya Robert qui a donné nom à ces personnes. Toutes ces femmes maudites de la vie qu'on doit les ramasser, mettre dans une poubelle pour aller les jeter dans les ordures. C'est Aya Robert qui les a donné tête, pied, jambes, visage. Et puis ces monstres sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont un téléphone. Ils mettent le téléphone en marche. Pas, et ils viennent envoûter l'esprit des gens. Ils viennent détruire la vérité des gens. Donner la plus pire image de l'Africaine au monde entier. C'est Aya Robert. C'est Aya Robert. C'est Aya Robert qui s'est assise pour permettre à ce que cette personne existe. Et qui, mon général, pas je vais parler. Et qui, mon général, pas je vais parler. Écris mon général, parle, je vais parler. C'est Aya Robert qui a permis tout ça. Qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont inconnues parce qu'ils ont venu porter caleçon, parce qu'ils ont venu danser les fesses, parce qu'ils ont venu monter une petite partie de leur pétou, parce qu'ils ont venu insulter. 5000 personnes sont connectées.
2000 personnes sont connectées à cause de la bêtise. Aya a permis à la bêtise humaine d'avoir une image, d'avoir un nom sur les réseaux sociaux. Aya, qu'est-ce que nous t'avons fait? Aya, you be you. Aya, qu'est-ce qui se passe? Aya, dis-moi ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller toi maintenant ton coin. Dès qu'on dit il y a un concert, toutes les paflotteuses se réunissent. Bon, qui veut devenir star? Ben moi, ok. Va sur Snap et commence à insulter Aya. Mm-hmm. Elle sera au concert. Dès qu'elle arrive, à la sortie, tu sors, tu cries. Oh la menteuse là! Aya Robert, la menteuse là, tu te bats pour qui là? Aya papa, c'est elle. C'est qui même? Sa chienne là, toi tu es qui? C'est qui même? C'est qui même? Laissez-moi! Demain, et puis sa camarade la filme. Voilà, c'est fait, ok, on a l'image. Bon, on a son adresse là, parce que quelqu'un avait donné son adresse là, ok. Allez, on prend la voiture, la chérie, t'as dit, il dit, ton buzz en train de prendre ton caca, on va mousser, allons devant son appartement. Aya, faut descendre. Aya, tu dis, tu es là, non? Faut descendre. Et puis, Aya aussi porte son collant, crac, elle porte son bouton, crac, elle oublie qui elle est. Une star, une influenceuse. Et puis, elle descend, jongon, les longues jambes de Nesto DJ. Le pantalon de Nesto DJ qui va avec. Et puis, ses muscles sont maintenant comme ça. Elle va au même prendre un café noir. Et puis, Aya, maintenant, descend. Elle est où? Elle est où? Descends, Aya. Toi, là, ça ne fait pas grandir ton image. Parce que c'est toi, ils vont voir mal. On ne va pas regarder la provocation. Ils ne vont pas regarder qu'est-ce que la personne a fait. Ils vont dire, Aya, c'est son habitude de se battre. Aya, c'est son habitude de faire palabre. À chaque fois qu'il y a une soirée, c'est Aya qui fait palabre à la fin. Personne ne va regarder à toi ton innocence. Personne ne va regarder à la provocation qu'on a fait contre toi. Pourquoi? Ces personnes-là savent que Aya, tu vas leur donner le nom. Aujourd'hui, papa, non, sur Facebook, il faut cracher Aya. Parce que si elle t'a répondu, c'est fini. Tous ceux qui déterminent toute la écalangue là, ils vont aller se mettre derrière cette personne. Pas parce qu'ils aiment la personne, parce que Aya a un problème avec Emmanuel Keïta, ils vont aller soutenir la personne, c'est tout. Sinon, ces mêmes personnes-là, demandez-leur de faire un message pour dire, je vais vous montrer comment venir en Europe pour réussir. C'est 400 personnes maximum qui vont les suivre. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas de contenu dans les messages. Ils n'ont pas de ligne éditoriale. Il y a la cheval Kodia Givessant qui a fait un post, ou bien qui a fait une prédication dans laquelle il disait qu'aujourd'hui, les soi-disant influenceurs, il était autre frère. J'ai vu des personnes m'envoyer des messages. Général, il paraît que la cheval vous a clashé. On dit que ce sont les mauvais qui se mouchent. Moi, je ne me sens pas concerné. La cheval Kodia parle des gens qui sont illettrés, des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Sur la toile, vous connaissez les illettrés. Sur la toile, vous connaissez les analphabètes. Sur la toile, on connaît les pauvres. On sait ceux qui n'ont rien. La cheval parle parce que ce qu'il dit est vrai. Quelqu'un qui dit qu'elle est lesbienne. Quelqu'un qui est femme barbue, elle a quel contenu dans son message à donner à l'humanité? À part venir raconter que la bêtise humaine. À part ça. Qui a contenu? Qui peut venir s'asseoir parler sur les stratégies de réussite? Qui? Parce qu'il est noir, malade qu'ils sont, bêtes qu'ils sont, analphabètes qu'ils sont, maudits qu'ils sont. Ils aiment tout ce qui est de la bêtise. Mais tout ce qui part à la construction, tout ce qui part à l'élévation, tout ce qui part à ce qu'on appelle l'influence. On ne sait même pas ce que veut dire le mot influenceur. On dit quel est ton influenceur? C'est Mania Keïta qui est mon influenceur. Elle t'a donné quelle leçon pour réussir? Elle t'a donné quel message pour réussir? Elle t'a influencé en quoi? Oh, qui est ton influenceur? Kamel Sama. Qui est ton influenceur? C'est Emma Louès. Emma Louès, au même temps, elle parle d'entrepreneuriat. Connaissez rien de ce qu'on appelle influence. Quelqu'un qui vient commenter l'actualité n'est pas un influenceur. C'est un vidéomane. Apprenons à nous respecter. Demandez à ces personnes-là quel est le contenu de leur message. Ils n'ont pas de message. Ils ne sont pas allés à l'école. Et c'est Aya Robert qui donne nom à ces personnes-là. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que dans ces deux, je suis sur TikTok. Je lance mon petit direct. 1000 personnes sont connectées. Ils appellent, ils posent des questions. Je réponds tranquillement. On finit, on supprime le direct. Voilà. Parce que tous les bâtards, les enfants maudits sont maintenant sur Facebook. Tous les ratés sont sur Facebook. En train de raconter que des bêtises. On se lève ce soir-là. Quel est le sujet du jour? Aya Robert a fait parler avec une danseuse de José. Ça là, ça paye maison de qui? Ça là, ça donne l'emploi à qui? Ça là, ça fait développer l'Afrique en quoi? Une piètre image de l'Afrique en Europe. C'est-à-dire, les blancs passent, ils voient des Africains qui sont en train de se battre au dehors. On dit pourquoi ils se battent? Non, parce qu'ils ont fait Snap. À cause des Snap, elles se battent.
Blanc même caqué, c'est n'importe quoi, vous avez fait parler de moi comme ça. Soyons sérieux à un moment donné. J'ai dit, soyons sérieux à un moment donné. Soyons sérieux à un moment donné. Parce que finalement, ça devient du grand n'importe quoi. Des lesbiennes qui s'élèvent, qui veulent enseigner quoi, qui veulent apprendre quoi à nous, la tradition africaine, comme on marie. Comme, hey, Dieu, nia, wa, nia, nia, nia. Ah, vraiment. Bon, mes amis, tout ça, c'est Aya. Tout ça, elle dit, tout ça, là, c'est Aya. C'est Aya. Maintenant, si Aya, tu es en complicité avec ces personnes, hein, pour nous prendre en otage, il faut nous dire. Si tu es en complicité avec, ces personnes, il faut nous dire. Il y a des choses auxquelles tu ne dois plus répondre. Il y a des stars qui collent l'image. José te fait monter sur son podium. José n'est plus n'importe qui. José n'est pas n'importe qui. José te fait monter sur son podium. Aya Robert. Afou Keita chante ton nom. Ma Aya Robert. Aya. Même quand on était petit, on chantait. Attends, ouais, sa chanson la même. Aya, Aya, tu es mon ami. Puis il y a des noms qui agissent. Il y a des noms qui agissent. Il y a des noms qui agissent. Quand nous étions petits, voilà le chant. Excusez-moi. Hein. Voilà le chant. Voilà le chant. Écoutez. Hein. Quand nous étions petits. L'esprit de petit est resté à Aya. L'esprit d'enfant est resté à Aya. Faut plus répondre. Tu ne nous te chicoter correctement. Il y a comment tu es une grande dame. Tu as tes amis qui s'appellent les milliardaires et où tu es une région de filles. Comment tu as utilisé ton influence pour les lancer? Tu vas toujours lancer les gens qui ne sont pas bêtises humaines. Tu vas toujours lancer les déchets. Aya, saisis-toi. Tu as de la valeur, tu as de la valeur. Tu as une communauté qui croit en toi. Tu as des fans qui au départ ne connaissaient pas ton combat, mais qui ont pu te suivre. Parce qu'on sait que quand tu décortiques, quand tu dépapourises, tu vas en profondeur. Demande pardon, il faut faire coup de Dieu. C'est la faute qui t'est dit non. Celle qui te provoque, tu passes, tu fais ce qu'on appelle vu et ignoré. Sinon, demain, toute cette communauté de personnes que tu clashes, avec qui tu fais des bagarres, vont former une union, rien que contre toi. L'autre va t'insulter à 15h, l'autre à 14h, l'autre à 19h. Elles vont s'appeler entre elles. Tu n'as plus besoin de ça. Parce que dans ton game, il y a des femmes qu'on suit, pas parce qu'on veut apprendre quelque chose, pas parce qu'elles peuvent donner une nouvelle. Parce que leur spécialité là, on les appelle la distraction de la soirée. Le soir, quand on n'a rien à faire, on les écoute pour chercher le sommeil. Maintenant, il y a des personnes qui ont dit, il y a une affaire, il y a un problème qu'on doit écouter. Voilà, tu fais partie de ces personnes. Il faut te prendre au sérieux. À bon entendeur, les gars, je vous souhaite une très bonne nuit. Je n'avais pas prévu de direct, mais il était pour moi un peu important de donner des conseils à ma petite soeur Aya. Voilà. C'est une grande dame. Voilà. Je prends ta main, je te mets sur un podium, puis je lève ta main. Voilà. Un grand monsieur comme moi. Je colle mon image à toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais il y a des filles que tu connais qui m'ont envoyé un message. Marco Soyo est venu te mourir à Paris. Les coupées étaient jetées. Tu penses que. Mais toi, tu t'assures, tu réfléchis. Tu t'assures, tu réfléchis. Toi, mais tu m'as dit, mon général, fais-toi respecter. Mais toi, mais fais-toi respecter aussi. Fais-toi respecter, Aya. Toi, t'as l'air de m'avoir une danseuse. Aïe. Même toi, m'a dit, tu n'as pas papier là. Tu vis mieux que des gens qui ont papier ici. Tu vis mieux que des gens qui ont papier. Faut te prendre au sérieux. Prends-toi au sérieux parce que tu n'es pas n'importe qui. Pense. Tu n'es pas n'importe qui. Hein. Dans ton mouvement, demain, tu peux décrocher là. Il a dit, tu peux décrocher le meilleur. Faut te calmer. Demain, là, tu peux être actrice, actrice de cinéma ici. Parce que tu as le potentiel. Mais faut pas que dans ton CV, on ne retienne que. Une femme qui passe tout son temps à faire parler. Ça, la fois, enlever ça. Moi, il y a des choses, on m'a demandé d'enlever. J'ai décidé d'enlever. 2022 arrive. Nous sommes en décembre. Au lieu de réfléchir comment on va impacter, gagner l'argent en 2022, c'est de réfléchir aux bêtises humaines, aux réponses à des provocations inutiles. Soyons sérieux. À bon entendeur, salut. Et à tous ceux qui ont mis les têtes de mort et les mauvais commentaires, bon. Je vous connais désormais, c'est la pauvreté qui vous fatigue. Perds votre âme, ton corps.